Eh bien salut mes petits bobeyes, c'est le Conky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un bon petit jeu quand Minecraft et Ark se rencontrent. Ça donne bien sûr PixArk, un bon jeu de survie, un peu voilà préhistorique avec des dinosaures, de la construction, du farm, etc. Tout ce que vous voulez, avec plein de bonnes choses et plein de bonnes idées. Alors je n'y ai pas joué très longtemps, hein, je vous l'avoue. Je voulais juste voir un peu les bases, etc. comme ça pour un peu voir comment ça fonctionnait. Donc on va partir tout de suite sur notre petit serveur des familles. Join. Donc je n'ai rien fait, hein, j'ai attendu. J'ai attendu d'être avec vous pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir voir le jeu un peu plus profondément. Seul petit reproche, là c'est le deuxième chargement que je fais. Donc là voilà, il est rapide. Par contre le premier, sachez que moi c'est un truc par contre qui m'arrive tout le temps à chaque fois que je lance le jeu. La première fois, le chargement est vachement long. Et ça c'est un peu chiant. Ça c'est un peu chiant, je dois vous dire. Donc nous voici dans le monde de PixArk. Ah tiens, on a une quête. Donc oui, alors le jeu est en anglais pour le moment. Hein. Donc là vous avez quelques petites quêtes à la con. Voilà, donc là qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, bon, il me dit de mettre des points, etc. Machin, d'ouvrir mon inventaire. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre? Donc là vous voyez, les joueurs de Ark ne seront vraiment pas dépaysés. L'interface est exactement la même à peu de choses près. C'est vraiment très très similaire. Vous voyez, on a les engrammes, on a voilà, bon, ils ont mis ça en plusieurs catégories, la primitive, la métallurgie, l'industriel, la magique, l'architecture, les petites quêtes, la comment dire, la tribu comme Ark, tout est pareil, oui, shift W, oui, bon, vas-y, bref, attends, parce que là, il va nous faire chier sinon. Attendez, excusez-moi. Voilà. Shift W. OK, merci. Voilà, donc I inventaire. OK, donc là, on va augmenter un peu la bouffe. Bon, on avait qu'un point mètre. De toute façon, attendez, là, je suis level combien là-dessus? Je suis level 2, bon. Voilà. Ok, c'est de la bombe. On est content. Donc, nous voici dans le monde de PixArk. Comme vous pouvez le constater, franchement, c'est visuellement très sexy. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. J'ai l'impression de gueuler, là, non? Excusez-moi. J'ai l'impression de gueuler comme un fifou. On va se mettre à la première personne, quand même, parce que c'est quand même plus sympa. Ah, là, on a des petits minerais. Ça doit être du charbon, ça, j'imagine. Donc là vous pouvez constater, hein, c'est vraiment très similaire à Minecraft, hein, dans son aspect bah, cubique, hein, tout simplement. Ça je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ce truc. Je sais pas ce que c'est ça. D'accord, c'est une image JPEG. Donc là on a une petite baraque qui n'est pas à moi, hein, qui n'est pas à moi du tout. Bah tiens d'ailleurs, ah bah attendez. Voyons-nous ça. Mais il n'y a rien là-dedans. Ok, nickel, c'est parfait. Et ici? Y'a rien non plus. Ah si! Ah bah, eh, les gars, on peut pas lui prendre? T'es cool! Eh bah voilà! T'avais qu'à pas laisser tes coffres, mon petit gars! Attends, non mais attends, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ok, donc bref! Je suis un gros salopard. Donc, les mécaniques sont les mêmes, hein, que Minecraft et que Ark, hein, surtout Ark. Donc là, on a notre petite map, pareil. Donc là, on a plusieurs points. Alors j'ai pas trop encore compris ce que c'était. A priori c'est des quêtes. Ah oui, c'est des quêtes, c'est exactement ça d'ailleurs, c'est des quêtes. Alors on peut scanner. Je sais pas trop à quoi ça sert pour le moment. Steak, ah oui, des herbes évidemment. Des herbes. Ah, on a pris un level les gars. On est des fous. On est fous. Attends, est-ce que je peux le scanner là? Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert de scanner. Pour le moment j'ai pas bien compris le système. Bref, c'est pas bien grave. Ok, tu viens de me le dire mec. Commence pas à jouer avec moi parce que ça va mal se finir cette histoire. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut... Mince, le réflexe à la con. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de beau dans les crafts? Dans les crafts on peut rien faire du tout. Donc ça c'est les crafts de base, hein. Une torche, une hache, une pioche et un gourdin. Dans les engrammes, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? On a 20 points. On peut débloquer des choses. Qu'est-ce qu'on va débloquer? Un lit, ça peut être sympa. Un lit, ça peut être sympathique. Level 7. Ah ouais, donc on doit être level... Ah, mais remarque, on peut quand même avoir des fondations. Les walls. Ça... Ah, j'ai pas assez de points. Là, 3 points. Ok. Pourquoi là, je le vois pas? Ouais, je sais pas, je peux pas le voir. C'est le truc au milieu, là, qui m'embête? Oui, on peut changer de vue. Merci beaucoup. Ça, c'est un peu chiant, hein. Donc, ah, voilà, 3 points, bah si on peut. Voilà, nickel. D'ailleurs, c'est quoi?
Ah oui, d'accord, c'est... Ok. Ok. Un petit camp. On peut faire de la bouffe, etc. Machin. Il nous reste 5 points. Est-ce qu'on pourrait pas se faire... Voilà, un petit t-shirt. Il nous reste 2 points, donc on peut prendre... Bah, les gants. Tiens, on va se prendre les gants, elle a bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Alors, de la corde, a priori. Je sais pas trop ce que c'est. Craft, fais voir. De la fibre, voilà, de la fibre et de la paille. Donc de la paille, on en a. Oui, la carte. Ça, c'est relou, ça. Hein. Donc attendez, alors attendez. Ah bah là-bas, il y a un joueur. Bon, là, on est sur un serveur pionnier. Donc il n'y a pas de JCJ actif. Hein. Et bien sûr, il y a des serveurs JCJ. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste pour vous montrer. D'ailleurs, si le jeu s'y prête et me plaît vraiment, chose qui, je pense, va être le cas, il se pourrait bien... Alors, pour le moment, je ne pourrais pas créer moi-même de serveur, faute de moyens. J'en suis désolé. Par contre, on pourrait peut-être, éventuellement, se rejoindre sur un serveur. Pourquoi pas, ça me plairait beaucoup de jouer avec vous. De pouvoir... un peu déliré entre nous. Alors attendez, est-ce que je pourrais peut-être pas me créer? Non, il me faut du bois. Alors là par contre, il n'y a pas de bois aux alentours. Il n'y a que dalle ici, hein. C'est vraiment la grosse PLS. Là-bas il y a du bois là-haut. Mais du coup il faudrait que je monte. Alors attendez. Ok, bon. Ok, on va pas... Hop, oh merde, non, voilà, hop. J'ai l'impression qu'on se dirige vers un biome totalement pourrave. Ah ouais, c'est pas fou ça. Ah mais il y a du bois. Donc il y a du bois. Tant qu'il y a du bois, on s'en tape. Par contre là, je commence à avoir froid. Va falloir vite fait, rapidos, que je me crafte des sapes. Là, j'espère que le son n'est pas trop fort. J'ai l'impression que ça gueule. Alors attendez, 2 petites secondes, excusez-moi. J'ai l'impression que ça gueule dans le truc. Bref, hop. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Alors c'est bien sympathique, hein. C'est bien sympathique, visuellement c'est très joli. Très joli à voir. J'aime beaucoup en plus cette patte un peu justement Minecraft colorée, un peu à la Fortnite justement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet aspect là. Ça je peux pas chiner ça. Ok. Oula, qu'est-ce que c'est? J'aime pas trop ces bruits là moi. Donc le jeu est en anglais, il vient de sortir, enfin il est en early access depuis très peu de temps. Il est environ à 18 et quelques et des brouettes, hein, sans doute 18,99, hein, comme on aime bien le faire. Pourquoi il se casse pas lui? Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, j'ai l'impression que je tapais dans le vide. Serait-ce un bug? Ok, très bien. Donc hein, évidemment vous allez rencontrer quand même pas mal de bugs, hein, ça. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une early access. Mais attends, c'est quoi ça alors? Ah, c'est du Darkwood, d'accord. Oula, un zombie 98, ok. Il n'avait pas l'air d'être hostile. Par contre, il me faut du bois, du bon bois, quoi. Là-bas, on a... Oh putain, non, si, il est hostile. Oh là 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 là. Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, saloperie. Oh putain, il me poursuit, le fou. Oh là là. Oh non. Oh non. Oh. What? Non. Ah purée. Je me suis fait cavaler par un zombie 98. J'avais aucune chance, hein. Là-dessus, on est tous d'accord. Donc là, j'avais respawn là, il y a là. Donc là, on peut... Là, vous ne... Ah bah si, on le voit. Donc là, vous pouvez voir que... plus... Alors, je sais... Je suis pas sûr. Ah non. Au début, je pensais que c'était plus on monte... Mais si, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, non? Ou c'est vraiment la couleur de l'herbe qui influence sur le... Non, je pense qu'en fait, c'est la couleur, en fait. Hein. C'est pas le fait d'être à 1,5 ou moins 1,5. Je pense que ça change rien, ça. Donc là, je suis décédé ici. Ah, là, on avait du... Bah là, on va peut-être aller là, tiens. Pour les novices. Novice Grassland. Motherfucker. Ok, donc vas-y, spawn. Comment on fait? Spawn, vas-y, spawn. Spawn, man. Hey, man.
Alors on réapparaît en ballon. Oula, oula, léger petit lag. Ok, très bien. Donc là, ah, on a une belle région là. Oh, c'est sympa ici. On a une belle région. Il y a une grosse baraque là en dessous. Bah alors monsieur. Ah oui, d'accord, donc avec un pteranodon assez hostile. Oh la vache, d'accord, c'est un... Ah oui, d'accord. Donc là, clairement... On n'est pas tout seul. Et en plus, ceux qui sont là sont assez costauds du bulbe. Oh là, ça lag un peu là. Hein. Ça lag un peu, donc les serveurs ne sont pas... Ne sont pas forcément très stables pour le moment, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de ping, il y a pas mal de lag. Faudrait dire aussi que le jeu quand même est assailli de toutes parts. Hein. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui s'y mettent. Donc, bon, c'est vrai qu'on peut s'attendre quand même à avoir quelques lags pour le moment. Voilà, là évidemment, là j'ai quand même pas mal de lags. Hein. Pourtant, je suis qu'à 96, enfin, à 96, tout est relatif. Là, il y a des petites maisons, il y a pas mal de maisons par contre, là, partout. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh, hé, hey, mec, t'as pas joué avec mes couilles, quand même. Ok, j'ai découvert une mailbox. Très bien. Presse M. Ouais, machin, bidule, ok. Ok, c'est super, mec. On est tous super contents. On s'en bat la race. Alors, ok. Donc là, évidemment, on a tout perdu. Hein. Évidemment, hop, ok. Donc... Ce serait pas mal là qu'on voit un peu le système de... Vas-y, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu veux? Oui, on s'en fout, mec, oh là là. Tu nous casses les pieds. Alors, on va augmenter un peu la bouffe encore. Et l'eau, voilà, important. J'aimerais bien quand même... purée, il y a pas de bois, il y a rien dans le coin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On prend un petit peu de paille. Alors après, je sais pas si les arbres repoussent ou pas. Normalement, oui. Hein. Dans la manière d'un arc, logiquement, ça devrait repousser. Après un certain laps de temps. Oh là. J'ai des petits pics de lag, c'est relou. Ah mince, ça, c'est un peu chiant ça par contre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Où sont les arbres? Messieurs les arbres, où êtes-vous? Ah la vache, y'a que dalle ici, c'est quoi ce bordel? Les dinos sont assez imposants et impressionnants. Je trouve qu'ils sont très bien modélisés, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet aspect là, comme ça, cubique là, j'aime bien. Cubique mais joli. C'est cubique mais c'est beau. Ah, c'est pas une vulgaire adaptation de Minecraft qui n'est clairement, enfin personnellement, qui n'est pas mon kiff. Hein. Par contre, Arc, j'avais beaucoup aimé. Pourquoi je peux pas passer par là? C'est quoi? C'est le bord de la carte, genre? Ah oui, c'est le bord de la carte. Ok, d'accord, donc il n'y a pas d'arbre. Ah, ça, c'est quand même pas mal. Attends, tu vas me dire que ça, c'est une baraque de... Ah oui, c'est des joueurs. Regardez-le, là, gambader sur son mur. Ah, y a les mecs, ils se sont fait un truc de fou furieux, quoi. Oh, la vache, quoi. Ok, bon, bah, ouais. C'est cool, les gars, mais... Attends. What? Toi, je vais te défoncer. Oh, il pleure. Oh, trop magnifique. C'est trop... Oh, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Là, j'ai de la bouffe et de la peau. Ok, très bien. Bon, au moins, on aura de quoi bouffer. Mais j'ai pas de bois. J'ai pas de bois, j'ai rien. Attends, il n'y a pas de bois, mon gars. Qu'est-ce que c'est que ce délire, là? Tiens, fais-toi des sapes, mec. Fais-toi des sapes, ma gueule. Vas-y. Ouais, c'est bien, ça. C'est bien. C'est bien, t'es un bon bonhomme. Vas-y, maintenant, équipe. Équipe ça, maintenant, équipe. Équipe-le bien. Là, il y a pas mal de minerais. On a de l'eau. Mais il n'y a pas de bois du tout, il n'y a pas de forêt, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, là-bas, peut-être? Ou c'est encore le bord de la map? Oh là, c'est très joli, hein. Visuellement, je vous assure. Et là, je suis en 1440. C'est vraiment sympa. Ah, c'est le bord de la map encore.
Bah attendez, qu'est-ce que c'est que ce délire, les gars, là-haut? Comment on fait pour avoir du bois, là, les mecs? Bah d'accord, quoi, ma vidéo est foirée à cause de... Ah non! Ah bah d'accord, ok, ah oui, d'accord, donc une vulgaire chute de merde, t'es mort, quoi. Ok, super. Ok. Ah! On a un petit endroit qui a l'air plutôt bien. Ah, là aussi, qui a l'air pas mal. Bah écoute, allons-y. Allons-y, Alonso. Alors, ah, par contre, j'ai gardé mes habits. Ça, c'est plutôt cool. Oh, la vache, regardez-moi ça, les gars. Oh, regardez-moi ça, les mecs. Ils ont fait un truc, mais de fou furieux. Mais non. Eh bah, les mecs. Ah, ils rigolent pas, eux, hein. Ah ouais, ils ont rigolé zéro, là, quand même. Attends, c'est une arme de siège, ça? Oh, trop stylé! Une catapulte! Ils se sont fait raid? Non. Non, oh putain. Oh putain, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, le conquis? Il y a une mine, là. Remonte, remonte, remonte. Ah, on a du bois. C'est une bonne chose. On va essayer. Voilà, on a un peu de bois. On va essayer de se crafter des trucs. Ah, c'est stylé! Oh, un coffre et tout. Ah, c'est méga stylé, les gars. Vraiment. Ah, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Hein. Oh là là, par contre, les lags, là, c'est... C'est la misère. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, le temps de chargement, en fait, dès qu'il charge des nouveaux trucs... Ah, d'accord. Donc, toi, mon gars, t'es en PLS. Heureusement qu'il n'y a pas de JCJ, hein. Ok. Purée, la vache. On se balade, on regarde un peu. On regarde ce qui se passe. Malheureusement, je n'ai pas trop d'endroits sympas, là. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance du tout. Bon, après, il y a déjà quand même pas mal de joueurs, j'ai l'impression. Donc forcément, ça limite quand même les choses, voyez le... Et pourtant, j'ai pris un serveur où il y avait personne. Bon, il y a personne actuellement, hein. Bien sûr. Ah, ça aurait été bien sympa. Attendez, on va... Bon, on va y arriver, on va réussir quand même à avoir certains trucs quand même. Hop, 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 hop. Allez, allez, tu peux le faire. Alors, est-ce que ce bois va nous permettre de construire certaines choses? Oui ou non? Nous allons le savoir dans un instant. Là-bas, on a pas mal de trucs. On a pas mal de... Oh, c'est quoi ce mob? Ça, c'est un mob hostile, ça, non? Un élémentaire. Un esprit élémentaire. A priori, visiblement. Oui, voilà, ouais. Donc, on a du bois qui va nous servir à faire des crafts de base. Ah, on perd pas notre stuff, j'ai l'impression. Je pensais que c'était que les fringues, mais a priori on perd pas notre stuff. Ou une partie peut-être, je sais pas. Donc on va se crafter une pioche, une hache. Voilà. Alors, à la manière d'un arc, faites attention, les binds de départ sont pourraves. Donc changez-les, modifiez-les. Par exemple, le 1, 2, 3 ne fonctionne pas, mettez, refaites-les, hein, mais ce sera les caractères, à la place des numéros, ce sera les caractères qui seront à la place. Mais de base, les chiffres ne fonctionnent pas, hein. Je vous le dis direct. Voilà. Ça, c'est dommage, par contre, de ne pas pouvoir jouer convenablement sans lag à la con, comme ça. Alors attendez, on va essayer de se faire un petit truc quand même. Avant quand même la fin de cet épisode. De se faire un petit truc cool. Bon, même si on va pas se faire. On va pas se faire une forteresse, hein, loin de là. Mais histoire de voir un peu les bases, de voir comment ça marche, de voir comment ça fonctionne. C'est quand même. Ce serait quand même intéressant. On s'est baladé un peu, je vous ai montré un peu la carte, à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on farme du bois
en quantité. Mais là, je pense que au final, on a plus besoin de paille qu'autre chose. Et de fibres. Oh la garce. Non, c'est pas vrai, putain. Quand je vous dis que j'ai pas de chance. Un argent à vis, hein, comme... Ah, ça, c'est quelque chose que nous avons aussi sur Ark. Hein. Donc, de toute façon, les dinos qui sont sur Ark sont sur ce jeu. Hein. Ah bah, c'est pas là-bas où je me suis fait crever, là. Ah, je crois que c'est là-bas, hein, où je me suis fait tuer. Hein. Ouais, très clairement, ouais. Alors, par contre, c'est que j'ai gardé mon bois. Non, je n'ai pas gardé mon bois, visiblement, ni la paille. Ah, en fait, je garde que ce qu'il y a dans ma barre de compétences. D'accord. Ok, nickel, ok, ok. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, monte, abruti. Ok, donc là, si ça commence comme ça, on va avoir du mal. Hein. On va avoir du mal à se développer. Moi, je vous le dis de toute façon, hein, je n'ai jamais de chance hein, dans ce genre de jeu. Je me fais toujours aggro par une cacahuète salée, là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, les gars. On va y arriver. On va faire quelque chose. Attendez, on va prendre de la paille. Tac, 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 tac. On va prendre... Parce que de toute manière, fais voir. Ah, il me faut de la fibre. Donc de la fibre, j'en ai en masse. Hein. On va... Ah, je peux pas le mettre là. Mais ouais. Et oui, puisque ce n'est pas inconsommable, bien évidemment. Eh oui, mon petit gars, tu t'es fait baise. Ah, un argent à vis, donc on va peut-être pas s'approcher trop de là-bas. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là-bas, c'est une mauvaise idée aussi. Ouais, bah là, je l'ai un peu dans le cucu, non? Comment dirais-je? Je vais dans le cul ou pas? Hop. Oh la vache, putain, il y a des mobs là. Ça, c'est l'argent à vis qui m'a pété, ça. Je suis sûr. Je suis sûr à 1000%. Et bien sûr, aucun moyen pour moi de le buter, hein, vu mon level et mon équipement tout pourri. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Tu vas me laisser 30 000, toi, mon gars, je te le dis. Allez. Ouais, laisse-moi tranquille direct, mec. Oh la vache. Un T-Rex. Oh purée, ça pue du cul ici. Allez. Laissez-moi faire quelque chose. Bande de salauds. Ok, nickel. En plus, c'est la nuit. Ok, là, on a une grotte. Ça pourrait être peut-être pas mal de ce qui est plan là. Ok. Si on se faisait peut-être un truc ici, là. Genre dans le coin ici, fais voir. On peut se crafter des petits trucs là. Oh, mec. Attends, tiens, on va... faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de vie, voilà, craft, ouais, bon, on se recrafte ça, on va se crafter des fondations, bah craft hall, voilà, nickel, des murs, on peut s'en crafter qu'un seul, on n'a pas assez de fibres pour ça, par contre, alors, est-ce que de la manière d'un arc, si j'y vais à la pioche, ça me donne des fibres? Pas du tout. Essayons. Non, pas du tout. Ok, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Attends, je vois rien là. Ça marche ou pas? Non, ça marche pas, j'ai l'impression. Hein. Non, c'est foireux là. Ouais, c'est foireux. Ok. Ok. Vas-y, on va pouvoir faire un petit truc sympa. Ok, nickel. Donc, tiens, on a des fibres. Là, on est pas mal, hein. On est dans un petit... Oula, il y a un agent... Ah, purée, la vache. Ok, ok. Donc, on va creuser peut-être un peu. Parce que, du coup, comme c'est un jeu à la Minecraft... et pas à la Ark, du coup, de ce côté-là, tout est destructible au final. Donc le sol est destructible. Attends, ça pue là.
J'aime pas ça. Ah, c'est le... Ok. Donc, je disais, tout est destructible. Donc, forcément, des joyeux lurons peuvent apparaître sous votre base si vous ne la protégez pas de dessous. Eh oui. Eh oui, mes bons amis. Il suffit de creuser. Il suffit de creuser avec les bons outils ou les bonnes armes ou les explosifs, etc. Et on peut se retrouver à l'intérieur de votre base plutôt facilement. En tout cas, pour le moment, je pense que c'est le cas. Donc, ce que nous allons faire... Donc, on va faire des petites fondations, là, comme ça. Pourquoi je peux pas, là? Ah, voilà. Oui, donc, c'est plutôt simple, hein, à la construction. Ouais, c'est plutôt simple, à la construction, je vois ça. Ok, bah, c'est cool. C'est cool, la construction est simple. Pas de prise de tête. Voilà, on va se recrafter des petits trucs. Tac, tac, tac. On va partir là-dessus. Hop, hop, hop. Hop, hop. Tac. Ok, on a plus assez. Tac. On va se créer un petit truc. Ouais. Ah, il y a un argentavis qui me rôde autour là. Ça me, ça m'excite le goujon. Hop. Hop. Oh, c'est quoi ça? Moi, je vais pas m'approcher ça. Hein. Je vais pas m'approcher de cette saloperie. On sait pas ce que c'est encore. J'aimerais bien pouvoir me crafter un petit lit. Histoire de pouvoir repop. Ok. Hop, on va prendre un peu de fibre, un peu de truc. Hop là, voilà, allez. Craft, craft, craft. Un lit, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de la peau. Je n'ai pas de peau. Attends, peut-être pas autant, peut-être pas autant, mec. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ok. Ok, bah si. Si au final. Attends, il m'en reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à peu près. De vue comme ça. Il m'en manque 7. Il m'en manque 7. Hop, hop, hop. Craft. D'accord, je pense quand même que le reste, on peut se faire des murs. Ok, donc... Donc, hop, 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 hop. Voilà, nickel, on s'est fait un petit plancher, les gars. On s'est fait un petit plancher des familles. Donc maintenant, ce qu'on pourrait peut-être se faire... Ah, je peux pas, bah oui, forcément, faut que je le passe sur mes fondations, imbécile. Imbécile heureux. Ok, donc ça, c'est cool. Ah. Et là je me fais buter comme une grosse merde. C'est probablement ce qui va se passer, hein, je vous le dis. Je vous le dis direct, les gars. Hop, on farme un petit coup. Hop. Voilà. Moi j'aime beaucoup les jeux de farm en plus. Pourquoi il saute? Pourquoi il monte pas? Pourquoi tu montes pas? Paraplégique. Voilà. Je les loot ou pas? Je les loot. Ok, parfait. Là, il y en a encore un peu. Voilà. Viens ici. Craft les murs. Donc, je suis d'origine portugaise, hein, donc forcément, les murs, ça me connaît. Alors. Le lit, je peux pas le faire. Ça, c'est chiant. Ok, ouais, d'accord. Des escaliers, des machins. Ok, on va se faire ça, ça, ça. Les coffres, bien évidemment. Une porte, bien évidemment. Ça c'est pour décoration, ok. Une spire, ça peut aider. Une spire, ça peut aider. Il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Regardez, regardez. Attendez, je vous montre quand même rapidement, regardez. Regardez-moi ça, vous voyez? Vous voyez là, tout ce qu'on peut crafter? Regardez-moi ça. Regardez. Il y a de quoi faire, hein, les gars. Il y a vraiment de quoi s'amuser, hein, regardez. Hop. Il y a de la magie aussi, hein, bien évidemment. Hop. Et c'est ça qui me plaît aussi un peu dans ce jeu. C'est que, on a moyen quand même d'avoir de la magie, etc. Ça, j'aime bien. Ça, je trouve ça cool. Ok, donc les murs. Ok. Hop, on va laisser... Hop, donc là, ok, on va laisser... un carré...
Ok, on va laisser un carré pour faire une petite porte ou nette. La porte, il manque de la fibre. Il manque de la fibre. Bah les gars, on va se faire un petit truc sympa là ensemble. Histoire de voir un peu ce que ça donne quand même. Parce que c'est le but. Un peu. Les gars. Moi, tiens, il va falloir de la peau. Il va falloir que je pète du dodo pour avoir de la peau. Et pouvoir me crafter un lit. Ce serait... Allez, hop, hop. Ce serait plutôt pas mal. Hop. Voilà. Hop. On va crafter du... Ah, petite porte. On crafte une porte. Alors, est-ce qu'on peut bouger? Oui, alors, ouais. Comme arc, on se déplace beaucoup moins vite. Mais on peut crafter en se déplaçant. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Hop, allez, voilà. Ah, ça, en multijoueur entre potes, ça c'est vraiment un jeu, je pense, très sympa. Ça peut être un jeu vraiment très cool. Alors attends, on va poser déjà notre petite porte déjà. Ah d'accord, ah oui non, c'est une porte... Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Bah du coup je suis obligé de... Ah l'enfoiré, attends. Ah oui. Ok. Ok, donc là. Là. Ouais, alors c'est pas exactement où je voulais la mettre là pour le coup. Ok. Merde. Ok, c'est pas grave. Bah écoute. Ah putain, bon c'est pas grave, on mettra une fondation, c'est pas trop grave ça. Ok donc, alors, putain c'est une grande porte hein, quand même hein, pour une porte de base. Hop. Hop. Toc, 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 toc. Putain qu'est-ce que j'aime construire des petits trucs moi, des petites bases et tout, moi ça c'est... Ça je kiffe. Hop. Alors fais voir là. Fais voir où on en est là. Ouais, la construction est quand même relativement simple. Hein. C'est relativement simple à prendre en main. Ok, c'est relativement simple à prendre en main, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne chose. Tiens là, on a encore des fibres. Là, j'ai l'impression que je suis quand même dans un endroit où il y a pas mal de fibres, etc. Ça, c'est sympa. Ok. Pas trop que je m'aventure quand même avant de me faire torcher la gueule. Ok, très bien. Hey, on ferme la porte, on se met dans notre baraque. Nickel. Allez. Ça fait aussi un petit coffre. Qu'est-ce qu'il faut pour la spire? Ah, du roc. Ok. Ok. Hop. Ouais, donc il faut quand même aller au-dessus de la porte quand même. Ce serait plutôt cool. Ah, pourquoi je peux pas? Voilà. Putain, c'est une baraque, c'est une grosse baraque ça quand même. Hein. Ce qu'il faudrait que je me fasse à la limite, qui pourrait être peut-être... Bon, pour le moment, à la limite, on va se faire ça pour le moment. Voilà, pour pouvoir monter. Ouais, c'est pas mal ça. Si, je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire là. Ah ouais, il faut obligatoirement quand même que... D'accord. Pourquoi je peux pas? Ah donc il faut un truc peut-être spécial pour faire un toit. Quel con. Alors. Ah merci. Ok.
Alors, au lieu de casser, on peut quand même récupérer au lieu de casser. Ok. Par contre, faut que je regarde ça. Putain, il y a un argentavis là qui rôde dans les parages. Alors, fais voir un peu. Ouais, ça doit être ça. Attends, j'aurais bien aimé aussi. J'ai vu. Là. Ah, et les fondations et tout, ok. En bois. Ça, on s'en fout. On a mis ça. Ok. On va faire des petits trucs sympas. Allez, wall. Ok, une table en bois. Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? Ah, stone pick, ça peut être bien. Il n'y a pas la hache du coup? Il y a pas la hache pas loin là? Il y a pas la hache pas loin? Il y a pas la... Ah, cooking pour se faire un peu de bouffe. Faire des pièges. Ah, la hache, voilà, elle est là. Elle est là, la hache. Ah, une workbench, ça peut être sympa. Un mortar, ouais, un lit. Un lit, ça. Ah non, j'ai pas assez. Ok, craft, qu'est-ce qu'on peut se faire là? Je peux me faire mon lit ou pas? Il est où le lit? Ah non, j'ai pas pu le prendre. Imbécile. Ok, bon bah, on a quand même débloqué pas mal de petites choses, mine de rien. Faudrait juste que je me fasse un petit toit quand même. Ce serait plutôt cool. Bon, écoutez, je pense qu'on va, s'arrêter là pour le moment, pour l'instant. Je vous ai montré un peu, bon voilà les bases, hein, c'est vraiment les bases de chez base pour vous faire voir un peu quand même en quoi ça consiste. On va prendre un peu ça. Surtout, c'était surtout pour ça, pour vous montrer un peu, voilà, les graphismes un peu, les effets, le système de craft, etc. Voilà, donc vous pouvez voir quand même que c'est vachement proche d'un arc, hein, mais vraiment beaucoup, c'est limite comme de goutte d'eau quoi, presque. Donc voilà, pour ceux qui aiment Ark et qui aiment Minecraft, vous allez adorer ce jeu, clairement. Par contre, je pense même que quelqu'un qui aime Ark, vous allez kiffer ce jeu-là. Par contre, quelqu'un qui aime Minecraft ne va pas forcément aimer ce jeu, évidemment. Parce que là, par contre, c'est pas le même genre. Bon, par contre, le contraire fonctionne totalement. Moi, personnellement, en tout cas, je suis conquis. J'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup les effets, les graphismes, le style comme ça, un peu cartoon, un peu, voilà, cubique, etc. J'aime beaucoup le fait de pouvoir creuser tout et n'importe quoi. Peut ouvrir aussi à des stratégies beaucoup plus élaborées, on va dire. Surtout pour le PVP, hein. Pour le PVP, je veux bien entendu parler. Les combats, etc. Je pense que les combats au corps à corps sont quand même beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus utilisés, hein, évidemment, ce sera plus, on sera, je pense, beaucoup plus au corps à corps qu'à distance, puisque vu qu'on pourra débarquer en plein milieu d'une baraque ennemie en creusant comme ça à la pioche, etc. Ça peut être vraiment très marrant. Je pense qu'il y a moyen de se taper des très bonnes barres. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ce jeu, vraiment, je vous le conseille. Il me plaît beaucoup, c'est vraiment un très bon jeu, donc je vous le conseille. Pour le moment, voilà, j'ai pas trop rencontré de bugs, à part, bon, voilà, quelques lags, etc. Mais bon, c'est une early access, ça, je pense que c'est, voilà, la base, hein. On va pas non plus crier au scandale. Mais en tout cas, voilà, moi, je vous le conseille, ce jeu est très bon, pour ma part, en tout cas. Je vous fais, moi, plein de gros bisous, et je vous dis à plus tard, les petits amis. Allez, ciao, ciao.